Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de la grossesse, plus particulièrement de la grossesse chez l'être humain bien sûr. Donc on va commencer avec une petite définition. Qu'est-ce que la grossesse officiellement? Je fais référence ici à vos notes de cours à la page 89. C'est la période durant laquelle se développe un prochain être humain ou plus qu'un s'il s'agit de jumeaux. Donc la période durant laquelle il y a un embryon qui va se développer et devenir un fœtus. Lorsqu'il sortira du corps, on va appeler ça un bébé. Chez l'être humain, hein, la période de développement, ça commence bien entendu dans tous les cas très petit pour devenir éventuellement plus gros. Ça va durer un certain temps. Et ce temps-là, chez l'être humain, c'est d'environ neuf mois. Et si on le calcule précisément, pour le développer en étapes, hein, on va calculer en semaines et on va dire que la grossesse humaine dure 40 semaines. Les deux premiers mois de la grossesse, on va appeler ça un embryon. On ressemble plus ou moins à une petite bête, une petite crevette. Mais les mois suivants, là, on va réellement parler d'un fœtus et on va reconnaître justement l'aspect être humain que sera l'éventuel bébé. Avant d'être un embryon, hein, vous vous en rappelez, lorsqu'il y a eu fécondation, la mode cellule qui s'est développée, on appelait ça un zygote. Et à la fin, lorsque le fœtus est prêt à sortir, on va appeler ça un bébé. Donc, voyons voir en fait les différentes étapes de développement. Hein, ça commence par le zygote, vous le voyez ici, hein, qui va aller s'implanter sur l'endomètre. À l'intérieur de l'utérus, et ça c'est grossi grossièrement le premier mois de la grossesse. Le deuxième mois de la grossesse, on voit apparaître là, le cœur, le cerveau, organes importants, primordiaux, et on, on ressemble plutôt à une petite crevette. Hein. Ça c'est le deuxième mois de la grossesse. Suite à quoi, il y a le développement des membres, les bras, les doigts, les yeux, les oreilles, tout ça. Ça va se passer au troisième mois environ. Après ça, il y a le développement de la masse osseuse, hein, la colonne vertébrale inclus, qui est là au début, mais qui se qui fait juste prendre de l'ampleur. On a une première perception des mouvements de la part de la mère qui porte le, le fœtus hein, à partir du euh, quatrième, cinquième mois et la distinction potentielle du sexe du fœtus. Suite à quoi, sixième mois, le, le fœtus peut réagir au son. Hein, il entend, son ouïe est fonctionnel. Ensuite, on a une croissance rapide. À partir du sixième mois, souvent, la femme va commencer, on va vraiment voir en fait son ventre gonflé parce qu'il y a comme une prise de poids, il y a une croissance très, très, très rapide. Le cerveau arrive à maturité aux alentours du huitième mois. Donc c'est là qu'on arrive avec des potentiels bébés prématurés, mais viables, hein, autour de 32 semaines. Mais essentiellement, on préfère se rendre... Au dernier mois, qui est la prise de poids, qui va être en fait plein d'énergie potentielle lorsque le bébé sera sorti euh, du ventre. Là. Alors, on a le neuvième mois. Vous avez ici là, différentes étapes de développement du bébé. Comment ça se passe à l'intérieur du bébé? Là? Vous voyez ici une image du bébé tout développé, mais imaginez-vous que c'est plus petit, la même chose en plus grand. Mais juste différents organes qui sont présents qu'on va distinguer. Il y a un organe temporaire ici là, dans la partie supérieure qu'on va appeler le placenta. C'est un organe vraiment qui sert juste au fœtus et à l'embryon à alimenter en nutriments et à oxygéner le bébé. Donc le bébé il respire à l'aide du placenta qui est relié en fait à lui, à son ombré par le cordon ombilical que vous voyez ici à l'écran. Le bébé il baigne dans une poche qu'on va appeler le sac amniotique, mais c'est littéralement rempli d'eau, donc il est comme dans une piscine. Hein. Ce liquide-là, le liquide amniotique, c'est comme pratiquement de l'eau, c'est très clair, translucide, et c'est entouré d'un sac qu'on va appeler le sac amniotique. Vous avez essentiellement les mêmes composantes dans un dessin similaire dans vos notes de cours, donc simplement notez les quatre composantes à l'intérieur du ventre d'une femme enceinte. Je termine lorsque la grossesse arrive à terme. Hein, il y aura une réaction naturelle qui va se produire la plupart du temps. Hein. Le muscle qui entoure l'utérus, le, 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 le myomètre, hein, va se mettre à, à avoir des contractions. Au début, ils sont très distantes l'une de l'autre. C'est un moment par, euh, durant lequel le, le, le muscle se contracte pour aider à expulser le fœtus. C'est douloureux pour la femme. Au début, ils sont très distantes, mais ils vont se rapprocher euh, plus progressivement. Au tout début, on parle de contractions qui vont permettre la dilatation du col de l'utérus. Donc, la voie de sortie, hein, qui est la sortie de l'utérus, puis le vagin vers la porte euh, extérieure. Hein. Au début, les contractions servent à dilater le col de l'utérus. Lorsque le dilata la dilatation est suffisante, là on parle de à peu près 10 à 13 cm, il y aura des contractions plus rapprochées aux alentours d'une contraction à tous les deux minutes Là, c'est extrêmement douloureux. La femme, avec euh, des mouvements qui vont aider à expulser le bébé, un peu comme quand on va aux toilettes, on force pour expulser ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, hein. c'est le moment où est-ce que le bébé va sortir et aussi le moment où est-ce qu'on va sortir, dans le fond, le placenta, le cordon ombilical. Là, il n'y a plus rien qui va rester dans l'utérus à ce moment-là. C'est une délivrance. Prenez-en note dans vos notes de cours, en bas à droite. C'est ce qui complète en gros la grossesse très rapidement chez l'être humain. Petit récapitulatif, hein, qu'est-ce qu'on doit se rappeler de cette fameuse grossesse hein, Vous devez être capable de nommer les étapes du développement euh, lors de la grossesse chez l'être humain. Si on se met ça dans l'ordre, hein, on a les gamètes qui vont se rencontrer pour former le zygote. Lorsque le zygote va euh, se fixer, c'est à peu près ça le début de la grossesse. Hein. Donc on commence très très petit, on va appeler ça un embryon et à la fin... En fait, même à partir du troisième mois, on ressemble à un être humain, on appelle ça un fœtus. Et à la fin du neuvième mois, on est prêt pour la sortie. Retenez aussi le 40 semaines. Dans l'ordre, hein, l'ordre de priorité, cerveau, cœur, les membres, euh, le sexe, la respiration et la prise de poids, on est prêt à sortir. C'est ce qui complète cette petite capsule.